Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Voilà. Je bois un peu d'eau avant d'accélérer. Ok. Que la TK ouf. Les sympathisants et les fans. Les compresseurs. La TKC en fait. Parce que le compresseur même est là à côté. Que ceux-là qui aboient mettent les organes à côté avant de venir écouter ce qu'il veut dire. Il ne veut pas framponner. Mais ce qu'il veut dire ne va pas leur plaire en fait. C'est tout. Parce que vous savez, sur la toile, il suffit que quelqu'un dise A et toi tu viens dire B. La personne se fâche. C'est pour ça. Ce n'est pas un truc qui sera cruel ou quoi. C'est juste qu'il veut dire je ne suis pas d'accord avec ça. C'est tout. Bon, on va analyser. On ne plante pas le décor. C'est juste un petit truc vite fait. Voilà l'affaire coule sur la toile. L'affaire compresseur Achille, Doudou, Tatiana, Gagounette. Gagounette est même déjà star sur la toile. C'est leur tour de bouffer le Djangui, si on va le dire ainsi. C'est leur tour de nous faire le Japap sur la toile. C'est comme ça que ça se passe. C'est chacun à son tour. Voilà. C'était Lolo Fonja dernièrement. C'est Compresseur qui continue avec l'affaire. Tout le monde parle de l'affaire sur la toile. Je dis bien, tout le monde parle de l'affaire sur la toile. Mais vous, vous êtes en train de dire que Flore de Lune est une manipulatrice. Et pourtant, vous, d'après moi, vous avez bu la manipulation de Lolo Fonja. Oui, c'est un combat. Il faut juste comprendre. Il dit que même si Flore de Lune fait quoi, Lolo Fonja s'assoit, elle dit, voici ce que Flore de Lune a dit. Et quand Flore de Lune dit ça, c'est parce que elle veut que ça soit ainsi. Mais Lolo Fonja lit dans les pensées des gens. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est le choc, c'est la guerre. C'est-à-dire, Lolo Fonja combat la TKC. C'est sa cible principale à l'heure actuelle. Mais Flore de Lune est toujours en vue. C'est comme ça que ça se passe. Ça a toujours été comme ça. Donc, quand Flore de Lune dit quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, Lolo Fonja prend ses dires et analyse à sa manière et dit voici ce que la fille s'y pense. Tu as la sagesse du village. Tu es ceci, tu es cela. Vous, vous réagissez comme les moutons. Lolo Fonja qui est votre adversaire principal à l'heure actuelle, vous la clashez, mais en même temps ce qu'elle a dit, vous ne jetez pas la poubelle, vous considérez et vous revenez avec ça envers Flore de Lune. En disant, c'est vrai, Lolo Fonja peut quand même avoir raison ici, c'est quand même vrai. Elle vous ouvre quand même les yeux, hein. Mais vous ne pouvez pas dire en direct dans vos vidéos que Lolo Fonja vous a ouvert les yeux. Mais tout ça a commencé quand Lolo Fonja a commencé dernièrement à prendre les directs de Flore de Lune, à s'amuser avec, en faisant la comédie de Flore de Lune, alerte, alerte et consort. Et ensuite, en prenant les propos de Flore de Lune, et déduire ce qu'elle voulait en déduire avec en fait. C'est là où tout a commencé. Sinon, depuis que Flore de Lune parle de cette affaire, vous avez apprécié qu'elle est venue faire les directs ou elle est venue soutenir Compresseur dans l'affaire de vol de Marie, parce que ça, c'est la continuité de cette affaire. Là-bas, vous n'avez pas dit à Flore de Lune, non, il faut arrêter de parler. C'était sucré parce que ça allait dans votre sens. Si Lolo Fonja étant au Cameroun, quand on était en train de soutenir Compresseur sur son affaire de vol de mari, disait que tout ce que Flore de Lune est en train de dire là, c'est parce qu'elle pense plutôt comme ça. Ce n'est pas sérieux. D'ailleurs, même elle a même dit ça un moment. Elle a pris une partie un moment et dit que ce qu'elle suit Flore de Lune dit ça seulement parce qu'il y a la paix entre Compresseur et elle. Ce n'est pas vrai, ceci, cela. Mais elle n'a pas trop insisté là-dessus. Ce que vous serez toujours comme de bons moutons, vous serez venu dire c'est vrai, ceci, cela. Parce que là où vous êtes là,
vous êtes en train de confirmer que Lolo Fondja a raison, mais vous ne pouvez pas le dire parce que c'est l'adversaire principal de la TKC à l'heure actuelle, durant cette période. Tout ce que Fleur de Lys a eu à dire, je ne dis pas que tout était vrai, je ne dis pas que Fleur de Lys le disait avec le cœur, je ne sais même pas, mais tout ce que je sais, c'est que Lolo Fondja a pris tous ses propos et dit que quand Fleur de Lys, toi tu dis ça, ça, Mamie Mboma, tu as la sagesse du village. C'est parce que tu es en train d'allumer le feu dans l'affaire, c'est là. C'est parce que quand tu dis ça, tu sais que ça va pousser comme pour ça à faire tel, 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 tel. Et on ne saura pas que c'est toi. J'ai lui dans ton jeu. Hein? Ceci, c'est là. Vous êtes de l'autre côté là, vous êtes en train d'écouter. Vous dites que, mais, Pipitolo, c'est là même. C'est l'ennemi, mais elle a quand même raison ici. Hein? Parce que pourquoi Florilla a dit ça? Elle pouvait rester tranquille. Hein? C'est comme ça, vous venez sur la toile. Pipitologue, ferme ta bouche, tu n'as rien à dire. Ma pépé, t'as fait quoi? Hein? Après, vous partez en solo maintenant. Fleur de Lys, tu étais obligé de parler de Gagou, tu étais obligé de ceci, tu étais obligé de cela. J'ai suivi une vidéo d'une TK Bangala, comme on les appelle aujourd'hui. C'est pas pour vous insulter, c'est le surnom de la toile. C'est comme ça, il faut parfois employer ça quand on veut afficher un petit ratbol. Voilà. Quand moi j'ai un petit ratbol affiché, j'utilise les synonymes. Bon, pas les synonymes, j'utilise les surnoms, ce que je voulais dire. Il y a une gala qui a fait un direct dans la team de la TKC. Il y a plusieurs pages. Elle a bavardé. Et elle a demandé à Fleur de Lys de ne plus parler de Garounet. Qu'elle n'a pas le droit de parler. Moi, j'ai commencé à rire. Elle a demandé que, mais c'est quel Babylone ça? Vous allez m'excuser pour le thème, vous savez que moi je ne suis pas impoli. Mais j'ai demandé, ça ne va pas ou quoi? Comment tu peux être là? Tu parles de quelqu'un qui est star en Bracata, qui fait partie du top 4 Bracata ou 5 ou 10, n'importe quel top, qui a une bonne position dans ce rang. Toi, on ne te connaît même pas. Tu dis qu'elle n'a pas le droit de parler de ça. C'est toujours pour vous faire voir ou bien quoi? Je dis ça pourquoi? Quand il y a le Japap sur la toile comme à l'heure actuelle, tout le monde en parle. Tu pouvais même dire simplement, Fleur de Lys, ne parle plus de ça en affichant ton rapport. Mais tu dis qu'elle n'a pas le droit de parler. Mais qui t'a menti? Toi qui bavardais dans le noir là, compression te connaît. Toi, tu as le droit de parler de ça. Si l'ennemi qui est en face, qui est Lolo Fondja actuellement, parle de ça, combien de fois celle-là qui a fait la paix avec compression? Et même si Fleur de Lys n'avait pas fait la paix avec Compressor, Fleur de Lys avait le plein droit de parler de ça. Ça devait même être un sujet où je suis sûr que Fleur de Lys, il y a des gens qui pleurent là, qui regrettent cette paix depuis un certain temps, depuis les doudous et consorts. Parce qu'ils savaient que le Japon devait être des tailles dans la team PDG. On devait danser sur le nom de Compressor matin, midi, soir là-bas. Compressor devait boire un Djangui qu'elle n'a jamais bu. Dans sa vie, il y a un cacao de ses affaires qui tourne autour d'elle depuis déjà près de 2 mois, 3 mois. Il y a des gens qui ont pleuré ça sur la toile. Ils disent que c'est quoi ça? C'est que la paix, il venait faire quoi? Moi, on n'a pas le choix, c'est la vie. J'ai vu ça en commentaire. Toi, tu dis que Fleur de Lys n'a pas le droit. Moi, je te dis et je te répète, Fleur de Lys a le droit de parler de tout ce qu'elle veut sur la toile qui concerne le Japon. Parce que ce qui se passe actuellement, si c'était la veuve joyeuse, Lolo Fondja, Fleur de Lys, Compressor devait parler parce qu'elle est une star en Bracata. C'est de ça qu'il s'agit. Et quelqu'un qui allait venir dire que Compressor n'a pas le droit de parler, je vais lui dire la même chose. Peut-être si c'était sur la veuve joyeuse, en cette période-ci, Compressor ne devait pas parler. Pas parce qu'on lui a dit de ne pas parler, parce qu'elle veut, puisque depuis un certain temps, elle évite la veuve joyeuse, elle ne prononce pas la veuve joyeuse. Là, ça serait de son plein droit. Mais toi, tu parles d'un champ de maïs ou d'un village perdu, où c'est la France même. On voit, on dirait, un quartier de Mokolo à Yaoundé. Tu dis carrément que Fleur de Lys n'a pas le droit de parler. Mais il faut arrêter ça. Fleur de Lys n'est pas votre bouc émissaire. J'ai toujours dit ici, il y a d'autres personnes, j'ai parlé, ils sont venus dire, quand j'ai bien parlé de Lolo Fondja, par rapport à un sujet qui concernait Fleur de Lys, ils ont dit qu'il était de la TK, la Lolomania. À un moment, je ne sais plus trop le sujet qu'il y avait sur la toile, j'étais avec, par rapport à Compressor, ils sont venus dire, ce n'est pas que je suis par rapport à quelqu'un, machin, truc, demain, il veut venir là, et tire sur Fleur de Lys par rapport à un fait.
C'est comme ça que ça se passe sur la toile. Moi, je ne suis pas dans l'histoire de Tim, je m'en fous complètement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la TKC, rien que sur ce point précis, hein, il faut que je précise, rien que sur ce point précis, calmez-vous. Vous êtes en train de dire que Flor Lily a fait la paix, l'amitié, machin. Flor Lily n'est pas l'ami de Compressor. Et les deux ont toujours dit ça. Elles ont fait la paix pour ne plus insulter et les enfants, et les mamans, et les ceci, les proches consorts. Et je crois que jusqu'à présent, ça a été respecté. Les deux ne sont pas les amis. Et elles ont dit qu'elles peuvent aller jusqu'à être amies. Et s'il vous plaît, même si elles étaient amies, est-ce que être ami d'une personne veut dire ne pas dire certaine? Il dit bien certaine parce que si Flor de Lille verse tout vraiment, ça va sentir. Quand Flor de Lille a dit à Compressor, je vais prendre, il y a plusieurs exemples, mais je vais prendre juste un seul. Ça vient comme ça, bon, je vais choisir celui-ci. Flor de Lille a dit à Compressor, ma soeur, toi aussi, évite trop la facilité. Arrête de sortir avec les hommes de la facilité parce que tout ce qui arrive aussi, c'est en quelque sorte de ta faute. Vous traitez Achille aujourd'hui dans la TKC de voleur. Mais il dit, je suis dépassé. Vous traitez Achille de voleur. Compressor a traité Achille de voleur dans ses directs quand tout ça a commencé. Vous pensez que même si moi je supporte Compressor, sur ce point-là, je ne vais pas lui dire que madame, shut up, tu n'as pas le droit de traiter Achille de voleur. Parce que si tu es ce que tu es là maintenant, à l'heure actuelle, comme on te voit là, c'est tout ça sur le vol. Si on arrête Achille aujourd'hui, on le met en prison, on dit c'est parce que depuis tu voles. Compressor ne peut pas échapper. Mais vous venez dans le noir traiter Achille de voleur tout simplement parce qu'il est en train de créer un désordre là maintenant. N'oubliez pas, j'ai fait un direct vendredi où j'ai framponné. Là-bas, j'ai framponné en vrai. Et j'ai framponné qui Compressor et Achille par rapport à Gagounette. Parce que Gagounette n'a rien à y voir avec les histoires de sang caresson. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas excusé une personne. Mais vous ne pouvez pas venir aujourd'hui dire Achille c'est un voleur. C'est que ça ne va pas dans vos cervelles. Parce que tout ce que la plupart des choses de Compressor à l'heure actuelle viennent d'Achille. Est-ce que vous pouvez discuter ce qu'on appelle les faits? Je vous ai toujours dit ici sur la toile, les faits ne se discutent pas. Compressor partait au Cameroun deux fois, trois fois par an. On a vu ici sur la toile, c'est un fait. Donc quand j'ai dit ça, je ne manque pas parce que tu es capable d'aller vérifier. Quand Compressor allait donc avec les billets d'argent du Tcha-Tcha, ça sortait d'où? Celui qu'on appelle le voleur maintenant. C'est de ça que vous parlez? Compressor qui marchait avec, qui montrait les sacs sur la toile. Parce que je ne vais pas prendre ce que Lolo Fondia a dit, elle était partie dans une boutique, machin. J'ai parlé des trucs que vous avez vus et que vous pouvez vérifier, qui peuvent être vérifiés là maintenant. Les sacs que Compressor montrait qu'elle clashait avec Flor de Lille, elle montrait l'habillement. Vous parlez de quoi? Vous créez celui-là de voleur? Je ne suis pas en train de prendre sa défense, hein. Je suis en train de vous framponner sur le point où vous êtes en train de traiter Achille de voleur sous prétexte que Compressor, c'est la sainte. C'est la sainte. Voilà, c'est la sainte en fait. Tout ce que Achille a fait, Compressor est dedans. Donc en tant que voleur, il volait avec sa femme. Parce qu'il y a plusieurs coups qu'Achille a monté, Compressor a participé. Elle n'est pas seulement restée là à attendre qu'on vienne avec le matériel ou l'argent. Elle a participé. Et vous le savez très bien. Au lieu de vous concentrer sur l'enfant, Compressor a dit qu'on lui a beaucoup téléphoné. Ceux qui ont fait ça pour calmer Compressor et tout, c'est très bien. Vous venez là, vous vous en prenez à Flor de Lille, le bouc émissaire. Parce que Flor de Lille a dit à Compressor, arrête de sortir avec, de chercher la facilité. Bon, pas de chercher, elle a dit que tout ce qui arrive en fait, c'est parce que toi aussi tu es la cause. Et c'est vrai. Quand on cite tous les gars du Compressor sur la toile, les titres c'est bandit, tchataman, agresseur, braqueur,
tu ne vas voir aucun tigre de maçon, quelqu'un qui partait faire son travail, menuiser tranquillement, il gagnait son pétain, il rentrait. Aujourd'hui, vous la TKC, j'ai suivi ça dans vos directs, vous dites que Composition est heureuse parce qu'elle sort au moins aujourd'hui avec une personne qui sort de la maison, qui part travailler, même si c'est 1200 euros, et qui revient avec cet argent. C'est l'argent gagné proprement. Donc, depuis 9 ans que Composition mange là du tcha-tcha, vous, ça ne vous dérangeait pas. Il a fallu que ça se gâte pour que vous compreniez que c'était un mauvais agent. C'est la pitiation. Eh oui. Ça, c'est la pitiation. Au lieu de vous en prendre à Composition, vous vous en prenez au propos de Fleur de Lys sur ce point. J'ai pris seulement un exemple parce qu'il y a tellement d'exemples. Est-ce que ce que Fleur de Lys a dit là, comme je prends le cas, tu sortais avec les hommes, tu aimais la facilité et il faut arrêter ça. Elle a apprécié le fait qu'actuellement, Composition est avec un homme qui peut sortir, aller et revenir avec ses 1200 euros. Quand Fleur de Lys dit ça, pourquoi vous dites que c'est, je ne sais pas comment dire, qu'elle manipule quoi? Parce que quand Lolo Fondja active ça, parce que tout ça vient de Lolo Fondja. Et c'est normal. Lolo Fondja est dans le game. Moi, je suis d'accord avec elle. D'accord sur le pro, elle est dans son game en fait. Lolo Fondja, si elle cherche comment elle va cogner les têtes. Et voilà, c'est en train de vous prendre. Parce que dans votre team là, c'est un peu une sorte de cognage des têtes. Vous êtes en train de vous en prendre à Fleur de Lys. Composition a fait son direct tout à l'heure. Elle a dit dans les rires que ma soeur, ma co, merci beaucoup pour ce que tu fais, merci beaucoup. Même quand tu allais un peu trop loin, merci beaucoup. C'est parce qu'elle n'a pas envie de dire à Fleur de Lys que je ne suis pas d'accord avec toi, c'est ce que tu as dit comme ça. Puisque c'est ce que vous remplissez la tête de Composition avec par derrière. Elle a joué le jeu en disant que Mako, tu fais le bon travail, mais tu n'aimes pas aller trop loin. Elle est restée tranquille. Nathalie Baba, elle aussi, a suivi tous les propos de Lolo Fondja. Elle est venue applaudir. Vous pensiez quoi? Mais il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Je voulais encore prendre même un autre exemple. Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont dites sur la toile. Mais voilà des comment Mouboukou Frampone. Comme Lolo Fondja lui a dit merci et tout, mais tu penses que Lolo Fondja peut faire quoi maintenant de comment Mougou ne valide pas? Il tire sur vous depuis, vous avez commencé à tirer sur lui parce qu'il a dit aussi certaines vérités. Lui aussi sélectionne ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Si vous faites les mêmes choses, de comment Mougou va venir dire que non, pour Fleur de Lys est mauvais, parce que pour Fleur de Lys est toujours mauvais pour de comment Mougou par exemple. Ailleurs, c'est bon. Voilà un petit exemple. Composition a demandé à Lolo Fondja d'enlever la peinture sur son visage, de faire le chignon avant de venir clasher. C'est-à-dire, ne fais plus le make-up comme on l'appelle ma make-up. On l'a toujours vu avec le make-up. De montrer tes cheveux. On sait que ce soit les mamies, mon vieux. Que ce soit. Même le Composition, les mon vieux, mais pas comme les autres. On connaît là, montrer ça sur la toile plusieurs fois. Fleur de Lys et tout. De comment on voit, dit que. Ce sont les bêtes des filles. Ça n'a aucun sens. Il dit ça parce que c'est Composition. Je vous dis pourquoi. Lolo Fondja elle-même a fait un direct où elle ne se montrait pas. Elle a retiré sa perruque, elle a tapé à terre. Elle riait, comme elle rit toujours avec les directs de Fleur de Lys. En disant, mamie Boma, enlève aussi ta perruque, on se clash, on voit. Elle a tapé. De comment Mougou, lui, il a vu ça. Mais lui, il n'a pas dit que c'était un faux défi. Parce que c'est Lolo Fondja. C'est la personne qui supporte. Il valide. Mais quand Composition dit ça à Lolo Fondja, lui, il trouve que c'est un bel défi. Parce qu'il n'est pas avec Composition actuellement. Quand moi, je vois ce genre de choses, je viens, je dis, dès comment vous pouvez se lever là, il va dire Cameroun, Afrique, Japap, tu racontes quoi et tout. Et pourtant, c'est un fait, c'est vrai, c'est vérifiable. C'est des choses comme ça que moi, quand je répète parfois, je viens, je parle. Comme ce que vous êtes en train de faire maintenant. Concentrez-vous dans votre combat et laissez Fleur de Lys tranquille. Là, voilà qui fait ses chantiers, qui fait ses vidéos. Elle est payée, elle travaille son argent. Vous êtes là, vous êtes concentré sur elle. Une là est venue dire, celle qui a fait le direct, ou c'est quoi là, j'ai visité 7 minutes, que Fleur de Lys a chassé Joséphine Legrand dans son direct. Parce que Joséphine Legrand avait insulté sa mère. Fleur de Lys ne fait que répéter, pardon.
Fleur de Lys ne fait que répéter comment Magma Verbal avait incité sa mère. Elle ne veut pas oublier, elle ne veut rien, ceci, cela. Et Lolo Fondja, dans son direct où elle était en train de reprendre les propos de Fleur de Lys, a dit: Mami Boma, c'est bien, tu as bien fait ça. Parce que Lolo Fondja a aussi le mal de Josephine Legrand. C'est ça le combat. Vous voyez, malgré qu'elle est en conflit avec Fleur de Lys, il y a certains actes que Fleur de Lys peut poser, Lolo Fondja apprécie. Parce que c'est ce qui l'arrange. Et vous, vous avez eu mal. Josephine Legrand, c'est qui? Elle a persécuté la mère de Fleur de Lys. Donc Fleur de Lys, comme elle a fait la paix avec Lolo Fondja, je pense qu'elle a fait la paix avec tout le monde. Vous savez bien qu'il y a beaucoup d'abeilles ici, jusqu'aujourd'hui, qui n'acceptent pas Compressor, qui n'apprécient pas Compressor jusqu'aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens de la TKC, comme les mamies Mboma là-bas, qui ont toujours dit et redit que la paix là, c'est par rapport à Gagou et tout. Mais Mami Mboma, ça ne veut rien dire. Il dit le groupe de Mami Mboma, de la TKC qui est sur la toile. Vous n'avez jamais accepté Fleur de Lys. C'est la même chose. Fleur de Lys n'arrive pas à accepter cette femme de Josephine Legrand qui a déchiré sa mère. Malgré qu'elle a fait la paix avec Compressor, ça ne veut pas dire qu'elle va faire la paix avec tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'entendre avec tout le monde. Vous pensez que Fleur de Lys va avoir Magma Verbal et lui donner les biens? Parce qu'elle a bien nettoyé sa mère. Vous êtes en train de faire la magie. Chacun mène son combat. Vous vous accrochez dessus. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça immédiatement. Concentrez-vous sur votre combat. Le combat actuellement, c'est Compressor vs Lolo Fondja. Ça n'a rien à voir avec Fleur de Lys. Fleur de Lys profite de la situation sur le Japon de la table. Vous pensez que si Fleur de Lys vient nous raconter une autre histoire qui n'a pas de sens, en dehors des chantiers, comme tout à l'heure, elle était en train de faire le chantier sur cette femme et ce Camerounais-là, vous pensez que Fleur de Lys va venir faire un direct, nous on va s'intéresser. Quand elle dit nous, je parle de moi et de la, et toute la toile, on est concentré sur le Japap. C'est de ça qu'il s'agit. Elle va laisser le Japap aller parler d'autre chose. Vous faites la magie ou quoi? Le Japap, quand ça chauffe, ça chauffe. Tout le monde mange quand ça chauffe. Quand ça va finir, ça va finir. Quand il y aura les rebondissements, nous serons toujours présents. Il rappelle que l'affaire de Doudou, de Compressor et tout, ça avait d'abord pris avant que Compressor ne parte. Vous oubliez ça? Après, ça s'est calmé. On est passé à autre chose. Mais les choses sont encore revenues sur la toile. On recharge les batteries. Arrêtez de vous en prendre à Fleur de Lys ou machin truc. Fleur de Lys ne me dit absolument rien. Je n'en ai rien à foutre. Pour ceux qui vont venir dire que... Moi, je parle, c'est que moi, je donne mon opinion, mon avis sur les trucs. Je peux me tromper. Raison pour laquelle les commentaires sont là. Tu viens, tu dis, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand, lui et chacun, on débat. Demain, là, je peux être là, frôler la fac comme je framponne. Vous allez dire, ce n'est pas toi qui supportais. Non, je ne supporte pas. Moi, je supporte quand il trouve quelque chose que moi, personnellement, ça ne m'arrange pas et tout. Je verse aussi. Quand ce n'est que le Japap simple, là, vous voyez, je n'ajoute rien. Je donne juste ma petite opinion et j'analyse la situation comme vous connaissez, ceux qui sont habitués. Et c'est comme ça que ça se passe. Dans la TK, vous. Calmez-vous. Fleur de Lys n'est pas votre cible. N'essayez pas de recommencer une guerre là entre Fleur et Compressor. Ça ne va pas marcher. Parce que c'est l'objectif. Si Fleur de Lys aujourd'hui commence un peu à taquiner Compressor avec certains mots et tout, vous allez dire que la paix a été une fausse paix. Que Mami Mboma, c'est vraiment Mami Mboma. C'est ce que vous allez dire. C'est parce que le sujet aujourd'hui, c'est au niveau de Compressor. C'est là-bas que ça se passe. Est-ce que Gagou va à l'école et tout est rentré dans l'ordre? Lui, d'après Compressor, elle a eu affaire indirecte. Pour moi, personnellement, c'est le plus important. Raison pour laquelle j'ai framponné Compressor vendredi, j'ai framponné Achille. Ces deux vieillards cessent de nuire à cette petite fille, cette jolie petite fille. Gagou ne sait même pas ce qui se passe. Sûrement quand elle va grandir, elle va retrouver les vidéos sur YouTube. Si on n'a pas encore supprimé et tout ça et tout ça et tout ça, elle va me voir dans que mais donc j'étais même star quand j'étais petite comme ça. Mais c'est quoi cette affaire? Au lieu de vous concentrer, vous voulez créer une guerre.
Vous voulez mettre dans la tête du compresseur que Fleur de Lys n'est pas avec toi. C'est faux. Fleur de Lys a fait la paix avec le compresseur. Mais ça n'empêche qu'elle peut dire un truc qui s'est passé pour expliquer quelque chose. Pourquoi vous n'avez pas demandé à Fleur de Lys, ça c'est ma question, de ne pas soutenir compresseur lorsqu'elle était tirée de partout sur l'affaire Doudou? Vous savez bien, ça c'est pour moi, et moi je suis sûr que Fleur de Lys n'était pas d'accord avec ça, parce qu'il y a eu des sujets qu'elle a traités sur la toile qui allaient dans le sens contraire de ce qu'elle était en train d'apprécier chez compresseur. Mais elle a fait juste parce qu'elle voulait que les gens aient un peu de compassion pour compresseur qui sourit tous ces derniers temps, ces derniers mois et tout, et tout, et tout, et tout. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est tout, on en passe. Donc, je crois que j'ai assez versé. J'ai dit ce que j'avais à dire, en fait. Pour ceux qui veulent compléter, pour ceux qui veulent dire quelque chose, ça ne sert à rien de venir me dire mon fils choquant et tout, ça ne sert à rien, tout ça. Va en commentaire, tu dis que tu n'es pas d'accord avec moi, tu donnes ton point de vue sur l'affaire, c'est tout. Parce que moi, je suis comme toi, je suis une personne, je dis ce que je vois, j'analyse aussi à ma manière. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Le lien de la vidéo de Jessica, son dernier clip qui est sorti, qui framponne actuellement, et comme elle n'est pas une Camerounaise, d'autres personnes ont eu à dire ça. Moi j'ai vu ça, c'était très honteux, une Africaine. Au lieu de regarder le travail qui est en dessous, ils sont plutôt partis regarder que Jessica avait clashé avec Hortense Coco, les trucs comme ça. Elle est venue clasher avec les soeurs camerounaises. Non, c'est pas bien, ça ne sert à rien. Le son de Jessica là, tu as les baffes, tu mets ça. Tu pars en boîte de nuit, on met ce son. Je dis, je ne vais jamais te rembourser ton argent. Mais il y a les gens ici qui chantent sur la toile depuis, on connaît. C'est un bracatala qui se dit star, qui crie partout là. Je lui avais dit que c'est pas Madame Njoka. Elle va se faire rembourser si on mettait ce genre de son. Pas envie de parler ici. C'est plusieurs personnes. Mais bon, allez regarder le son de Jessica Ifoyamo. Le lien en description de la vidéo. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Mais dans la douceur, minal, 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 petit joueur, agnou, 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 petit jongleur. On te mange à toutes les sauces, à toutes les couleurs.